C'est l'Europe qui ont commencé par l'esclavage, en tirant nos ancêtres, les faire amener en Europe pour les faire travailler par la force. Et après ça, c'est l'esclavage colonial, c'est l'esclavage domestique. Ils nous ont privés de leurs frontières. Ils ont plié tous nos biens que l'Afrique avait. Tout le monde sait que l'Europe n'a pas de richesse. Toute la richesse se trouve en Afrique, de l'or, pétrole, le diamant. Ils nous ont tout pris. En contre-revanche, ils nous ont mélangés. En faisant la guerre, en nous mélangeant la guerre les unes contre les autres. C'est ça qui a fait retarder l'Afrique. C'est la guerre. Et la guerre, tout ça là, ça a été causé par eux. Ils nous divisent pour mieux régner. Nous, on n'est pas, nos frères camarades ne sont pas là en Europe pour le manger ou bien pour voir les buildings qui sont jolis ou ça. Tout le monde veut une vie meilleure. Tout le monde veut être à l'aise. Tout le monde veut une maison, un bon travail. Tout le monde a une famille, tout le monde a des enfants à nourrir. Comme vient de le dire mes frères, ils sont sortis, tout le monde sait ce qui se passe à Tchad, en Somalie et d'autre part en Afrique. C'est à cause de la guerre et de la famine. Et appartenance à une ethnie ou bien un conflit religieux ou bien appartenance à un groupe de partis de politique, quelque chose comme ça qui a fait sortir tous les gens que vous voyez là, comme les Somaliens, comme vient de le dire mon frère somalien, mon frère de Somalie. Ils disent que la guerre de Somalie a été commencée depuis, je ne sais pas, 1900 quoi. Et ça, c'est vrai. Si vous regardez dans le YouTube, vous regardez tout. Dans le Facebook, vous allez voir que la guerre de Somalie et Tchad, ce n'est pas aujourd'hui. Donc comment faire? Les frères sont quittés dans leur pays seulement pour gagner leur vie. Ils ne sont pas des criminels, ils ne sont pas des terroristes, ni rien. Ils sont des victimes qui sont sorties seulement pour gagner leur vie. Et l'Union européenne influence et donne des fonds à Frontex. Frontex qui est là, qui ne fait pas leur travail. Quand on les appelle dans la mer pour assister les gens, pour sauver les gens, ils ne viennent jamais. S'il n'y a pas de pression qui sont mises contre eux, comme par exemple aujourd'hui, on a vu ce qui est passé en Libye tout récemment. C'est à cause même de ce que vous voyez là, les traces que vous voyez là, téléphone alarme, qui est là, qui est watch de mer, qui sont là en train d'aider les frères subsahariens, qui sont là en train de contrôler les gens qui sont en mer. Quand on les appelle en détresse, c'est eux qui vont faire pression pour que les gardes-côtes viennent prendre les gens. Par exemple, moi, j'ai vu tout un tas de choses. J'ai vécu au Maroc. Au Maroc, je suis militant, je suis assistant social. Je vois toutes sortes de difficultés envers nos frères migrants subsahariens. Moi qui vous dis là, j'ai enterré des personnes à Tanger, à Nador, qui sont morts là-bas. Qui sont morts noyés dans l'eau, pour atteindre leur rêve, pour atteindre leur but. Certains ont laissé des familles, certains ont laissé des enfants, certains ont laissé des mamans qui ne vont plus les revoir. Jamais, au plus grand jamais, ils vont les revoir. Et leurs fils sont sortis pour seulement gagner leur vie. Et nous, on est tout à fait contre la politique de l'Union européenne, la politique de Frontex. Le Frontex qui est là à manger des milliards, on lui fournit tout ça d'argent, on lui fournit beaucoup d'argent pour garder les frontières. Pourquoi cet argent-là ne pouvait pas servir l'Afrique à créer des entreprises, à créer des sociétés où les jeunes Africains ne vont plus immigrer, prendre l'eau, aller mourir dans la mer Méditerranée? Pourquoi ils ne peuvent pas prendre cet argent-là et investir en Afrique, puisqu'ils nous ont tout récupéré en Afrique, ils ont récupéré toute la richesse de l'Afrique. Pourquoi par contre ils ne peuvent pas venir développer l'Afrique, apporter une aide, un coup de soutien en Afrique pour créer des sociétés, implanter des choses où les jeunes peuvent travailler, gagner leur vie pour aider leur maman, pour aider leurs enfants, pour aider leurs proches. Tous ces gens que vous voyez là sont des victimes. Ils ne sont pas des terroristes, ils ne sont pas des malfaiteurs, ils sont là seulement pour gagner leur vie. Et on vous dit à tous, on vous remercie tous de votre présence ici et du coup de soutien que vous nous avez rapporté. Et on souhaite que la lutte continue
que la lutte continue, que la discrimination cesse dans ce monde. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.